Donc nous voici dans le lobby en compagnie de Delta. Yo. Et nous allons tout de suite commencer cette mission. Et bien évidemment, j'ai le téléphone qui sonne en même moment. Mais bon, quelqu'un d'autre le prendra, hein. Bon, excusez-moi le téléphone, j'espère que vous n'avez pas entendu. Bon, d'accord. Donc, comme toujours, les conditions spéciales, hein, on est limité à l'équipement de 41. Mais cette fois-ci, nous pourrons appeler des renforts blindés à l'aube du 2e, 3e et 4e jour, gratuitement. Et si on attend en fonction des jours, on aura plus ou moins de troupes qui seront disponibles grâce à ces renforts. Même si, techniquement, les renforts supplémentaires ne servent à rien, hein, ces petits bonus. Espérons que ça se passe correctement. L'invasion fasciste nous menace, camarade. Il faut... On bouge d'ici. Il est de notre devoir de repousser les Allemands. Bouge. Si vous insistez... Il y a plusieurs positions stratégiques à proximité. Ils attaquent. Si on ne peut pas les protéger, on ne pourra pas arrêter les fascistes. Vous devez tenir le secteur pendant 4 jours et 4 nuits. Da, camarade. Vous recevrez des renforts à l'aube de chaque jour. Bon, alors petit conseil que pour cette mission, bon, Delta a déjà compris, l'ennemi spawn ici. Donc, pour éviter qu'ils vous prennent le point sud, hein, il faut garder en permanence des troupes à côté. Les forces ennemies neutralisent un secteur. Ensuite, il faudra créer une ligne de défense de là à là, pour éviter que l'ennemi tienne le point central, parce qu'en difficile, à partir du moment que l'ennemi capture un point, on perd des points de victoire. Donc on n'a pas le droit en gros à l'erreur, si vous préférez. En avant. Je commence à en avoir marre. Oui, butez-les. Le T-70 est suivi et tiré. Et ces canons anti... On déplace notre... Et au centre, je conseille de laisser le canon à... À mon, pour moi à Delta, parce que c'est toujours utile pour arrêter les chars. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les partisans locaux sont prêts à rejoindre nos forces. En déplacement. Pièce d'artillerie en attente. Ce sera fait. Voilà. On va essayer de corriger ce point. Contact hostile! Là, il y a un véhicule qui est passé, je crois. On est petit, T-70 en route! Section, on doit prendre cette position. Allez, charge léger sous le feu ennemi! Oui, camarade. Oh mon canon anti-char, ils m'ont piqué! Arrêtez de crever, on ira! Ah non. Fusil. Oui. Bien compris. Mauvais endroit pour un T-70. On contrôle la position. Quels sont les besoins? Déplacement. Notre territoire tombe aux mains de l'ennemi. Alors, premier jour, les assauts seront sur notre position. Faibles. Je sais pas ce que t'en penses, Zekta. Ouais. Je sais pas. À part probablement des Stug E en grand nombre. Tuez cette ordure.
ça passera tranquillement. Voilà, je peux recapturer le point. Je prends par derrière avec mon KV1. Donc, vous avez un canon t-shirt que vous pouvez récupérer ici, je viens de le penser en fait. Vous avez des canons t-shirts un peu partout. Ici aussi, de mémoire. Ça se reporte automatiquement au centre. Donc comme toujours, si vous préférez, vous pouvez toujours appeler des Panzer 4. Panzer 4, oula. Des T-34, excusez-moi. Mais bon, ça, ça dépend de ce que vous préférez. Les KV1 sont toujours conseillés. Ouais, on a violé. Je suis arrivé. Tu veux récupérer Stuge? Non, vas-y. D'accord. Soldat du génie en attente. Bon, ouais. C'est pas trop compliqué le premier coup, hein, c'est... Moi je conseille ce commando là, je sais plus son nom. Ça s'intitule Armée de réserve soviétique parce que vos recrues pourront réparer les véhicules. On peut déclencher le recrutement rapide à votre signal. Moi je trouve que c'est classe. L'ennemi a pris notre poste de ravitaillement. On est en route. C'est Pavel, on se concentre. Un de nos secteurs est isolé. T-70, repositionnement. On attend vos postes, camarades. Ils veillent ces terres. Elles sont à nous. Sécurisez cette putain de zone. Une médaille ou une balle. Un homme à terre. Oui, camarade. Bouh, t'as perdu une infanterie. On est visé. Il faut qu'on décroche. Ouais. Ouais, vu que je filme et qu'en plus j'ai perdu la partie, j'ai un décal. Libérez ce type! Ils vont voir qu'ils ont un verre à deux près! En l'arrière! Tirez mille contre nous! Un homme à terre! Notre nombre d'unités. Réparez ça si vous pouvez. Et voilà les renforts qu'on peut appeler. Bon, décharger. Donc, des T-34, si j'attends, j'ai un T-70 en plus. Ou deux chars lourds, si on attend des chars moyens en plus, ouais. Bravo, camarade! Mais on appellera tout de suite des chars lourds pour cette bonne raison, même si le bonus est plus conséquent avec les coups suivants. Les renforts attendent vos ordres pour se déployer.
vitesse qui permettra de mieux tenir la ligne. Beaucoup de choses peuvent arriver entre ici et là-bas. On est petit, mais on est rapide. Les ordres sont de capturer le territoire. C'est à nous de le faire. Vous avez des ordres? Il faut bouger. Notre territoire se réduit. Nous reprennent le sanglier méchant. L'armée rouge à votre service. Nous avons maintenant accès à plus d'options sur le champ de bataille. Un secteur est en danger. T-60, mauvais endroit pour un T-70. Voilà, vive les T-70. Et pourquoi nous n'avons pas plus loin? C'est qu'en face, en fait, il y a une ligne de PAC 40, donc canon anti-chat, qui est problématique pour l'attaque. T-70, quitte sa position. Char léger, prêt. Bien compris. On y va. On rejoint la destination. Hop. On voit, bon. La mission elle-même est pas compliquée, le manque plus dur va. Ordre de déplacement reçu. Va venir par la suite. KV1 en attente. Il faut savoir que l'ennemi va attaquer massivement et en point. Mais il va aussi avoir du soutien. Le premier jour, un Stuka en piqué va lancer une bombe sur chacun des points, ce qui va les désactiver. Il n'y a pas de déplacement. Il faudra donc les recapturer, donc j'ai un conseil, c'est laisser une information sur qui on occupe, les plats, t'inquiète pas. Allez. Pour ça. Donc c'est le deuxième jour, troisième jour, ils vont mettre un tir de barrage ferroviaire sur chacun des points. Voilà, ça désactive pas les points, donc c'est pas gênant. Ça fait beaucoup de dégâts, mais si vous n'avez pas de troupes dessus, ça vous fera rien. Donc soyez prudents. Et le quatrième jour, un immense bombardement aura lieu. Sur toute la longueur de la map, c'est-à-dire d'ici à ici. Il y aura à base un bombardement d'artillerie de 105 mm. Qui va précéder un bombardement d'artillerie ferroviaire. Donc il sera indispensable de se préparer en fait à soit reculer ses troupes de la ligne, soit de détruire l'ennemi, de reculer ses troupes ou passer avant de retirer l'ennemi. Bon, vous verrez bien qu'on y arrivera. Hein. Et des bombardements aussi anti-char des avions. On fait mouvement. KV1 prêt. T-34 en mouvement. Oui, T-70, repositionnement. Nada. On bouge vers cette position. Ok, c'est tous les canons anti-char en fait, si tu veux les récupérer. Non, ça va, j'ai pas besoin de. J'ai pas besoin du truc. Ok, les S-110 sont réparés. Donc. Les soldats du génie essuient les pertes! Voilà.
Et ça va être cas en fait sur tous les points. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai laissé une section dessus. Pas que au point, mais à côté du point. T34 attaqué. Pareil, les gars. Les soldats du génie ont sorti des cibles détruites. Section en attente. Vos ordres, camarades. Tu vois, on a évité de trop lourdes. Voyez si on peut réparer ça. 1-4, c'est parfait. T34 en mouvement. Objectif capturé. T34 en mouvement. Non, il faut le garder. Voilà, maintenant, c'est bon, les points sont désactivés. On a subi plus dur. Des pierroguets qui sont à trouver. Enfin, je trouve. Et c'est canon anti-charme. Artillerie en mouvement. Vous avez des ordres? T34, équipage en place, armement chargé. Ces fumiers fascistes essaient de nous tuer. Attaque de blindés ennemis. C'est pas de mort. Ici, soldats du génie. On ne reste pas ici. Notre section d'infanterie a préféré mourir. Oh, ils ont un sniper. Une cible de plus pour le KV1. T34 prêt. Mon T34 est réparé. T34 en déplacement. Ton canon lourd et du bug. Ouais, non, c'était calculé. Toujours avec nous, toujours. Alors, il y a un pack ici de mémoire aussi, donc là. Un nouveau jour se lève, camarade. Un point de verre qui nous attaque. Le T-70 est sur les tirs. Arrêtez de glander. Les renforts attendent d'être déployés. Rapport. T-34, ouais. T-34 en mouvement. Fusilier, on va là-bas. Besoin de réparation ici. Allez-y. Et un nouveau char. Ah oui, à savoir une chose, en plus de la ligne de PAC 40, ils ont dans leur base deux Panzer 4 oui, à canon. Frère. Pavel, on se concentre. Allons-y. Donc, si et vous préférez, deux Panzer 4 qui pénétrera très bien vos blindés moyens. Les UG. Oui, camarades. T34 en mouvement. Laisse-moi parier, Delta. T'as gardé le plus gros bonus pour la fin? Quels sont les ordres? Pas le temps d'admirer la vue. Vous avez des ordres? Bon, après, il a pas tort aussi à droite. Techniquement, avec un KV1, bon, ici, deux canons anti-char, ça tient tout seul à droite. Les nouvelles unités sont arrivées. Le T34 est prêt. En mouvement! Par contre, ouais, c'est vrai qu'il faudrait réparer section le T-char de droite. On ne peut pas rester, il faut se déplacer. Il n'y a pas de lâche ici. On a besoin de réparation. Voyez ce que vous pouvez faire. Il y a pression en fait que tu prépares le terrain pour attaquer. Sur base. Bien sûr. La meilleure défense est l'attaque. Je suis d'accord. Recrute mais la meilleure attaque, c'est la défense. Je suis pas d'accord.
Les pistolets mitrailleurs arrivent, camarade. Non, il y a mieux, j'ai une meilleure attaque, le napalm. Dommage qu'on n'a pas accès. On attend vos ordres. En avant, camarade. L'infanterie nous attaque. On se replie, camarade. Sans recul comme des KV, hein. Content. Cavalerie lourde en attente. Nos PPSH sont là. Même Yuri va pouvoir atteindre sa cible. On est en sûreté derrière ce mur. Eh ben ouais, le tir ferroviaire sur les points. Pilote. Bientôt du troisième, et... L'armée rouge à votre service. Vous pouvez réparer ça? Perroncoué. Et vous voyez? Vous aurez 3 points. Vous n'êtes pas pas... Vos ordres, camarade. Je continue moi même T34 parce que la raison pourquoi je préfère T34 au KV1, au T34 prend 10 de pop, un KV1 prend 3. Y'a pas de lâche ici. Voilà. Vérifiez votre matériel, on y va. J'ai envie de te dire, sur 200 de pop... On n'a rien à faire, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Les soldats sont prêts, l'industrie communiste est bon. On y arrivera ou on crèvera en route. Excusez-moi, petite coupure, bon, c'est mon logiciel qui a encore un message d'erreur pour dire qu'il est planté. Voilà, on reprend au même endroit, bon, vous avez perdu un tout petit morceau de la vidéo, mais c'est pas grave. C'est tout ça, me fait toujours planter le logiciel, je sais pas pourquoi. Attention, grenade! On attend ouais, grenade. Oh, zéro. On se tire d'ici! L'ennemi nous a pris le territoire. Allez. On serre la table. On essuie des tirs d'infanterie. Infanterie ennemie à l'attaque. C'est un bombardement de direction. On est vite, vite fait voir notre défense. Après, si jamais vous pouvez lancer un assaut sur la base de vie avant le quatrième tour, c'est... Tire vraiment du char contre nous.
que tenir à nu les quatrièmes, c'est... Il faut se rendre utile. Préparez ça. J'ai envie de dire que c'est logique. Delta, t'es toujours là? Ouais, oui. Pourquoi? Oh non, c'est juste pour savoir, en fait, j'ai peur que... quand on lui sait pour privé, il prend en même temps que Skype. C'est pas passé loin. Notre cap... Le jour se lève, camarade. Mais on est rappelé. Appelez vos derniers renforts et résistez encore un jour et une nuit. Et on regarde les renforts qu'il a. 2 KV1, 3 KV1, 1, 2, 3 T34. Non, j'ai 235 de pop. Mais oui, je connais les gars. Il faut réparer par ici! Besoin de réparation! Charles Léger est prêt! On bouge vers cette position. KV1 prêt. Eh, moi il me dérange de voir une frappe mortier quand même. Camarades. Oui, bonsoir. On retourne en arrière. Prêt. Deux gars, ils se coûtaient avec mes petits chars avant l'assaut? Non, j'en ai plein. Oui, camarade. Les équipages de fusiliers prêts. En avant. Marche. Espèce de voleur, t'as volé un Panzer IV. J'ai pas volé, je l'ai emprunté. A duré à déterminer. Allez. Vous avez des envies, pilote. Ordre de déplacement. Je lance aussi l'assaut. Passez une vitesse. Là, 2.34 en mouvement. Fais mouvement. Ici, camion. Déplacement reçu. L'un des légers est engagé sur nous. Infanterie ennemie. Charge mon tri. On perd des véhicules. Oh, petit, tu trompes. Vive l'artillerie. On a détruit ce Panzer. Quels sont les KV1 en mouvement? Comme ça, on évite surtout en fait en bonne technique telle que celle-ci, on évite de devoir planter à son final. Cette carcasse brûle. Parce que le bombardement ennemi... Parce que l'ennemi avance en même temps avec... Ils arrêtent pas de péter mes chenilles, ces enculés. La défense de la Rodina nous a coûté un autre véhicule. L'azur tes propos quand même. Alors, 1, 2, 3. Mais ils devront faire l'affaire. 4. 4 chars avec la chenille pété, quoi. 4 Ah, mais y'avait un champ de mine. Ah, j'avais oublié. Parvinrent à arrêter l'avancée de la première division de Panzer à travers l'Ukraine. De plus, l'armée rouge démontra que ses T-34 et ses KV-1 pouvaient affronter les Panzers allemands. Ben voilà. Moins de 30 minutes pour faire cette mission. On va regarder le tableau des scores pour savoir qui a fait plus d'expulsions. Je pense que c'est toi, Nectar, hein. À mon avis, oui. Parce que tu tenais à droite, là où il y avait plein de personnes qui se jetaient sur toi. T'as fait quasiment tout le boulot à l'artillerie. De toute façon, on va voir ça tout de suite. Hein.
Alors. Bon, effectivement. Ouais. Mon unité perdue 33, c'est moche. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est les points perdus et points capturés. Je t'informe que c'est moi à base qui ai tous les territoires. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça joue un peu. C'est pas ta faute, je sais. Ouais, je sais, je sais. Bon, KV1, 588% d'efficacité, T70, 416, T34, 155, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te remercie aussi d'avoir participé. De rien. Quoi qu'en soit, pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à ciao tout le monde.